quelques dimanches, glané au vide-grenier, au détour d'une rue, dans un vieux troquet. Le mec lambda là-bas, c'est lui, c'est Anima. Bien éduqué, ongles coupés, nouvelle version plus polissée. Nonchalamment sapé, unique signe extérieur de son volcan actif à l'intérieur. Bug de la matrice à laquelle sa créativité a échappé. Et pour cause, il pense que Rimbaud est plus révolutionnaire que le Che, car dans son imaginaire, tous les quatre sont décrochés. C'est vrai, parfois, il a de même manqué d'ambition dans le schéma social qu'on lui propose, qu'on nous propose. À ses yeux, toutes ces structures ne sont pas moins abstraites que tout ce qui se trame dans sa petite tête. Tout dépend du point de vue, dit-il. Au sein de son troupeau, il n'a rien pu, rien su, rien vu, dit-il. Pour lui, penser, c'est agir, d'abord sur soi, puis sur ses choix, confus d'ailleurs. Alors il se laisse aller parfois un dernier verre, juste pour la cuite. Une fois la gueule bien déboisée, un dernier verre, juste pour la fuite. Sous ces airs de Playmobil négligemment froqués, se cache un monde alternatif gorgé d'oniroactivité. Anima Blaster, plus révolutionnaire que le Che.